Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur héros et généraux. Actuellement, nous sommes en trifaction. Je suis paratrooper, enfin parachutiste, plutôt comme ça qu'on dit. Et d'ailleurs, mes alliés ont eu une bonne idée en se disant que fantassin c'était aussi un bon plan. Moi, j'ai probablement débarqué directement à A2 comme ça. Idéalement, pas dans la zone de combat. Dans le de la zone de déploiement. Un peu derrière. De façon à pouvoir snipe les gens. Je ne vois plus personne. Pourtant, ils sont forcément quelque part. Et vu qu'ils contrôlent pas à 3, ils ont pas de spawn. Donc ils sont obligés de respawn derrière normalement. Je sais pas si jamais on peut arriver à rect une faction et après s'en sortir ou si on va perdre tout doucement. Oh là, il est costaud lui. Il a fallu un sacré nombre de balles pour l'abattre. Le truc c'est qu'il va probablement revenir me chercher maintenant. Enfin pas me chercher, me sniper. Je suis très rarement dans l'équipe qui attaque sur cette ligne, sur la ligne A. Donc j'ai beaucoup de mal à savoir où est le spawn exact. Alors visiblement on a des petits soucis. On va changer de plan et défendre. Puisque tout va se passer là-bas. Idéalement on abandonne O2 à une faction. Enfin idéalement, non. Idéalement on garde O2 jusqu'à la fin du temps, mais. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va abandonner O2 à une faction parce qu'ils vont. Idéalement, il faudrait qu'O2 change tout le temps de faction et nous on garde le point d'après, donc c'est pas gênant. Ça, à mon avis, c'est un joueur, le saut. Donc pas une IA. C'est probablement caché derrière l'arbre. Oh! Ok, on va arrêter les parachutistes. Je vais jouer avec mon nouveau fantassin. Pas très costaud. Pas très bien armé. Ah, c'est ERSS qui gère le plus. Bon, très bien. Voilà, il est tout nouveau, donc il débloque tous les rubans de tout et n'importe quoi. Ah, ils ont un APC, et demi, ça. Ou pas. Il m'a headshot ou quoi? Non, il m'a juste tiré dessus et ça lui a suffi. Ok. Ce fantassin, je l'ai appelé Guibou Amanou. En me disant que il pourrait servir de d'anti-aérien. Et c'est comme ça me fait un moyen mnémotechnique fort que de l'appeler AA. C'est tout bête, mais. Ah là 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 là. Il y a pas mal d'avions quand même. Un des risques, c'est qu'on joue trop de parachutistes et que je puisse plus respawn. C'est pas parti pour, mais. On va se cacher de lui. Ah, je l'ai touché. Ah, il me faut 3 balles avec ce bonhomme. C'est dur. Je sais pas trop comment on va faire. Ça m'a l'air un peu compromis d'arriver jusqu'à la défense anti-aérienne. Aïe, des joueurs qui.
qui snipent de vachement loin. Et je les vois pas, hein. Bah, maintenant, je les vois un peu tous. On va prendre un mec un peu plus efficace. Bientôt, on pourra plus défendre. J'aurais fait un sacré... Enfin, j'imagine que j'ai fait un bon nombre de kills le bot. Non, 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 madame, mais t'es fou, toi. En fait, nous, si on perd ce point, on meurt, donc non. On fait pas ça. Ils sont vraiment débiles, nos alliés, là, parce que... Ah, il y avait un mec, bon. Il s'est fait gérer. Peut-être été assez fort, débile, débile. Mais n'empêche, le truc qu'on doit faire, c'est plutôt défendre qu'attaquer. Parce que eux, ils vont se battre pour le point. Et nous, on n'aura plus qu'à ramasser les cendres, en quelque sorte. Je vois un véhicule. Il descend du tout doucement. Après m'avoir foncé dessus, donc il y a une défense à A là. Ah non, j'ai craqué la moto, mais je pourrais toujours aller l'utiliser. J'ai changé de taille de kit de soins, de taille de kit de soins sur ce perso. Gouverne de profondeur détruite, 3 d'XP. Oh, ils sont vachement cachés. L'avion détruit, nickel. Là, il y en a un. Pas exactement qui c'est, ce type d'avion, mais. Ah, défendu encore. Trop facile. Je les blesse et après ils meurent. Ah, on arrive à capturer, bon. Soit, je vais vous mettre l'ordre. Ça, c'est un avion ennemi. Là, clairement, je touche pas, mais je sais pas trop comment toucher. C'est un avion ennemi qui poursuit un avion ennemi. Ça c'est un avion russe je crois. Aile gauche endommagée. Le gars il est passé, on l'a fait. On a fait très très vite. Je peux pas aller vraiment juste au-dessus. Faudrait que je finisse de tirer pour que ça se recharge. On va tirer sur rien si j'ai pas de cible. Oh lui, je crois qu'il m'a capté. Ah bah encore un qui est mort. Ah, c'est bon, c'est parti. Pour tenter de me détruire. Avion détruit.
J'ai fait 5 kills d'avion là actuellement. C'est assez incroyable hein. 6 kills d'avion. Terrible. C'est la tort des cieux. Ils en ont 40, vous me direz. Mais bon. On va dire que c'est 6%. 6% des avions ennemis abattus. Je sais pas combien de fantassins tuent un aviateur en moyenne, mais si jamais ils ont 100 avions et qu'ils tuent 8 fantassins en moyenne chacun, ça suffit pour décimer tous les fantassins. Autant se méfier des avions. Alors, visiblement, ils osent plus respawn. Je les ai trop terrorisés. Ah, il en reste un là-bas. Ouais. Bon, il est pas vraiment dans le champ de vision de mon AA, mais bon. Quoique, je vais essayer, hein. Bouge pas. Qui passe devant, malheureusement le train est mal placé. En plus du petit pont qui est mal placé, mais. Waouh! Je crois que j'ai headshot le. Non, qu'est-ce que j'ai fait? The Creeper, je sais pas du tout si c'était The Creeper ou pas. On va utiliser les dernières balles, peut-être dans le vent. De façon à ce qu'elle se recharge. Comme c'est une AA. Se recharge tout seul, nickel. Je voulais vérifier, c'est bien ce que j'avais enregistré, mais au cas où. Ça se trouve, c'est un avion allié? Non, c'est pas possible. Vous allez pas me dire que je tire. Non, ils ont des petites lumières quand même. J'arrive pas à le toucher, je sais pas si je tire pas assez haut ou quoi que ce soit. Pilote à terre. Il y a un drapeau de l'Axe. Ou de l'Allemagne nazie, je sais pas trop ce que c'est. Oh, ça aurait été beau ça. Hein. Je peux pas siffler. Il y a un délai avant de siffler. Je ne savais pas. 75. Ah, je pourrais camper dessus, mais c'est pas super utile. Et là, je touche un joueur, non. Un joueur qui vient de débarquer là. J'ai vu la voiture arriver, alors moins que la voiture soit arrivée toute seule. Il y a un joueur dans les environs. On va contourner. Il était là, je crois. Ok. J'ai quasiment plus de balles, moi. Ouais, je me doutais que l'aviateur il attendait la défense antiaérienne comme moi. Croc croc. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc de soin dans le point? Non, tant pis. On va se soigner une troisième fois. Enfin, moi une deuxième fois et ce sera mon troisième soin. Est-ce qu'il a quitté là? Ouais. Est-ce qu'il a quitté là parce qu'il voyait personne? Peut-être.
Voyons si je vois du monde dans l'avion. Un type qui se parachute, mais à part ça. Pas grand monde, hein. Finalement, on tient relativement bien le point. Peut-être qu'ils se tuent entre eux. Je sais pas vraiment où, c'est pas comme si jamais ils avaient des lignes très voisines. Ouais, pardon. Je donnais pas d'ordre à mes alliés. Il y a pas mal d'avions dans l'air. On va retourner soutenir la défense antiaérienne. Peut-être augmenter nos kills d'avion, qui sait? Il y en a un qui passe juste là. Alors, t'aurais pu m'attendre, mon coco, avant de faire une jolie descente. Y en a qui sont vachement loin dans le ciel, quand même. Ah non, il m'a eu. Tir à la tête. C'est pas très couvert ce genre de défense. C'est vrai que c'est quand même un défaut. Pas bien protégé. Mais avant, j'ai eu beaucoup d'avions avant de. Avant qu'ils arrivent à me tuer. Oh non, ils l'ont déjà bombé. Il galérait avant et là, pouf! Premier avion qui s'acharne sur moi. Il me tue à la tête et il bombe la défense antiaérienne. C'est triste, moi je dis. Là, j'aimerais que. AA, je sais plus comment il s'appelle. Bon, super fantassin AA. Soit fonctionnel, idéalement avec l'arme russe. Qui a 5 munitions. Je pense qu'elle coûte super cher parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à. À dire ok, vous pouvez débloquer n'importe quelle arme, mais si jamais c'est une arme qui est réputée pour être bien ou alors qui coûte cher par défaut, ben elle vous coûte 3 fois plus cher. Donc si jamais vous deviez payer 300 000 pour l'avoir, et ben c'est pas grave, mais vous devez payer. Vous devez payer 1 million. Une seule bombe et il a explosé la défense. Je croyais qu'elles étaient un peu plus costauds que ça, moi. Bon, on va monter Agibou Amanou. Wow, je l'ai pas vu. Elle était dans le coin. Je peux regarder assez bas. Bon, en théorie, je suis censé jouer avec mon parachutiste, mais bon. On s'en fiche un peu, hein. On se rapporte des points de crack de véhicule. Ça se trouve, j'ai la première étoile. Je crois que c'est un ruban à part entière, le crack de véhicule. Peut-être que je me trompe. Oh oh. Ouais, c'est ça, tuer l'IA et pas moi. Ça, c'est un bon plan. Allez, on est un petit fou. Alors, on est un petit fou qui se retourne et je suis content. Ça m'a permis de survivre. Hop. Je vois personne. Visiblement, c'est là-bas qu'il faut se méfier. Touché.
je le vois, mais... Oh, ça tire trop mal. Ça, c'est pour moi, par contre, d'à côté, ouais. C'était un joueur, il visait plutôt mal. L'impression que c'est un bot dans la façon dont il se comporte. Eux, ils veulent essayer direct les États-Unis. Hein. Ça se tente. Hein. J'ai cru que c'était un fantassin qui s'était mis à me tirer dessus. Apparemment, c'était un avion. Ce qui est vachement dur à viser en avion, c'est un véhicule qui zigzague. Parce que avancer tout droit, on peut prévoir et tout, mais alors zigzaguer parmi les arbres dans la forêt, ça, c'est un truc super dur, à mon humble avis. Bon, tant pis. On va pas pousser sur ces deux. Moi, je pense qu'il vaut mieux défendre. Parce que c'est A3 qui risque de nous poser des soucis. Bon, s'ils arrivent à fermer la ligne C2, on en sera gagnant, mais... Je suis pas sûr que ça ait de grandes chances d'arriver. Alors, c'est un joueur, vu la façon dont il joue. Il y avait des bombes anti-tank, j'aurais pas dû passer de ce côté-là. Défense. Aïe. En fait, c'est une meilleure idée de défendre ce point-là si on y arrive, parce que dans 7 minutes, on aura gagné. Est-ce que quelqu'un l'a tiré à la tête là ou... Visiblement quelqu'un. On va aller prendre son arme. Ah, on est hors zone. Aïe, dommage. Il y a des gens qui débarquent à la nage. Ils en ont du courage. Ah, ils ont gagné du temps. Oh non. Parce qu'on a perdu C3. D'accord, donc ça fait gagner du temps pour tout le monde. Apparemment. Oh! Il est arrivé, il lui a fait Star! Ah, il y a les deux factions maintenant. Ça, ils vont pouvoir s'entretuer. C'est une bonne nouvelle. Sauf que du coup, nous on perd le point et il va être neutre. C'est pas grave, on est là tant qu'il est neutre. Non, il y en a un qui vient de tuer 3 Red Army Man. Avec un Mustang, je me demande si mais c'est pas le truc russe le Mustang. Il y a une équipe qui l'emporte. Ils sont 4. Trois, 3, 2, 3. 2, 1, 3. On est en mode auto, oui. Son PPSH, il est peut-être plus cadencé. Non, pas tellement. C'est pas grave. Je pense que le PPSH est plus loin des armes que je possède. Waouh, j'ai même pas entendu tirer. C'est étrange ça.
C'est pas grave, défendez. Je suis plus chef de groupe. Ah, j'ai pas le niveau avec ce perso pour donner des ordres. Bon, bah, on va continuer à attaquer hein, si je peux pas donner d'ordre. En vrai, je pourrais tirer juste pour monter mon perso hein, au prix des balles. Quelqu'un qui est avec nous, qui a atterri à peu près là. J'aimerais changer l'ordre là. Touché. On peut grimper sur la rampe. Il y a quelqu'un à la AA, d'accord. Vas-y, flingue-le. Aïe, ouais. Par contre, dès qu'il est sorti, il est mort. On a un véhicule de ralliement, mais. Particulièrement mal placé, à mon avis, mais. Pas vraiment ce point qu'on a besoin de capturer. Bon, je pense que si jamais il était à côté du point haut, on l'aurait pu. Je peux pas retirer. Voilà. J'arrive même plus à voir le. C'était O2, c'est O2 qu'on a perdu. J'arrive même plus à le voir. Z2. Apparemment, il n'y a personne de ce côté-là. Par contre, il y a une arme mitrailleuse là-haut, donc il y a peut-être un allié qui est mort. Ouais, je croyais qu'il était mort à l'emplacement de l'arme. En fait, je pense qu'on lui a ramassé son arme. Alors, Hellfire, j'apprécie l'initiative. Peut-être que ça peut nous aider à défendre. Et je peux toujours pas changer l'ordre. J'ai vu un éclaireur passer. Pas un éclaireur d'ailleurs, juste un joueur. Là, j'ai pas le bon bonhomme pour l'affronter. C'est bon, ça reprend. Et la PC est pas spawnable. Ah, il était à l'instant. C'est pas grave. On prend le deuxième. Lui, il monte dans le point, d'accord. Allons-y, hein, pourquoi pas. Aïe, 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 il a tué beaucoup de monde, le Mustang. Donc, le Mustang, c'est pas le truc russe. Contrairement à ce que je pensais. On a perdu notre spawn plus bas. J'ai récupéré un bâton magique. Ah, ça m'a l'air d'être un fusil d'éclaireur maxé à part sur la cadence. Deux, deux. Oh là là, on n'est pas nombreux, hein. Deux, trois. Trois, quatre. C'est toujours pas bon. Aïe, il y a un mec là-dessus. Ah non, derrière. Derrière moi, bon, je sais pas comment j'aurais pu l'éviter lui. Ils font quoi les États-Unis là? Ils sont trop nuls. Ils vont mettre la pression aux Russes et ils font rien du tout. Un fantassin qui capture là-bas. Ils sont pas morts, non, ils sont pas morts donc. Voilà, les Russes essaient clairement de terminer. Voyant le temps s'écouler, je les comprends. Nous, il va nous falloir un point de plus quand même pour gagner. Ouais, d'accord. ça va être le moment de réattaquer, je pense. Ah, on a un pote qui va se faire embêter. Il n'a pas eu le temps de se faire embêter. Un allié qui tire par là. Je sais pas ce qu'il voit. Les bots, c'est vraiment des
très bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Truc qui s'est lancé en arrière-plan sur Google. Non, tu ne m'auras pas. Hop là! Et j'ai eu ma première étoile. J'ai pas de kit de soins, j'ai plus l'habitude. Je voulais démarrer un nouveau perso à la fois pour avoir un anti-A et à la fois pour recommencer avec le fusil de base, les difficultés de base et tout. Je pense que sur les difficultés de base, j'ai été servi. On peut respawn? Yeah, on peut respawn. Ah, je devrais peut-être prendre un bon perso là. Allez, petit bot, tu l'as pas touché une seule fois alors qu'il bougeait pas. Mais enfin bon. Si tu me le laisses, tu veux bien. Merci. Je peux aussi te le laisser, hein, on n'est pas... ça prend. Là faut qu'on tienne après. Là ça va décapturer parce qu'on est nombreux, mais c'est tout. Bon, on verra. L'anti-A, mitraille. Je sais pas qui est dessus. C'était un adversaire peut-être. En tout cas, il n'est plus de notre monde. 3-2. J'ai eu de la chance. Je me suis fait sauver la mise par je sais pas qui. On n'est pas assez nombreux. Faut qu'ils se ramènent les autres. Je sais pas ce qu'ils font, mais. Là, le point reste neutre parce qu'il n'y a aucune faction suffisamment forte pour l'emporter. Ah, c'est un truc craqué. Ok. Au moins il est pas dangereux. Ah mince, il était pré-descendu. Du coup il est descendu super vite en arrivant sur sa moto. Ah, j'aurais peut-être prendre Zimmerman plutôt qu'un fantassin aléatoire. Je le vois plus. De la bombe pour aller se cacher. Ah, je dis que c'est les pop. On se bat contre des recrues, vraiment. Et pourtant, il y a 12 joueurs. Hein. Oh, oh. Ouais, on va se cacher, si il nous snipe. C'est les Russes qui se débrouillent mieux sur cette partie. Oh là. Bon nombre de parachutistes. Ah, il snipe depuis le pont, j'ai l'impression. On est en un nombre inférieur, donc je ne vais pas prendre trop de risques. Aïe, bon. Visiblement, j'ai pris trop de risques. Ouais, je pourrais prendre mon parachutiste en fait. Aïe, ouais. J'aurais dû rester caché pour le coup. Le truc c'est que le point est juste à côté, donc on va prendre le parachutiste pour pouvoir sauter sur le toit. Voilà, Eden. Touché, il m'a loupé. Je suis dans le point là. Oui, c'est bon, je suis dans le point. Fouh. Moi je dis c'est une bonne partie. Un peu serré sur la fin. Une fois qu'on avait perdu le point, on a eu du mal à conserver notre autre point. Je pense que c'est parce qu'il y avait plein de fantassins qui rushaient vers l'autre point. Et du coup, on n'était pas très très nombreux. Un peu tendu, mais c'est quand même passé.